Bonjour à tous, cette petite vidéo pour parler de films, pour ceux qui peuvent en voir en ce moment à la maison, des films que j'aime beaucoup, des films que j'ai découverts récemment. Le premier, c'est que j'ai découvert la semaine dernière, qui s'appelle Une brève histoire d'amour de Keslowski, qui est de 1988 et qui parle d'un jeune postier introverti. Qui espionne depuis un certain temps une femme, une trentenaire qui habite en face, plutôt libertine. Et voilà, c'est un film sur le voyeurisme, sur cette histoire d'amour, sur c'est un film avec une ambiance très étrange, très étonnante aussi, parce que c'est des personnages, je trouve, qui disent tout, qui ne mentent jamais. Donc ça laisse place à des scènes assez surprenantes. Ensuite, je parlerai de Bellissima de Visconti avec Anna Magnani. Anna Magnani qui est extraordinaire, magnifique dans ce film. Ça se passe dans les années 50, après la guerre. Ça parle de la misère et de l'espoir aussi. Et cette mère qui aimerait que sa fille devienne actrice et qui va tout faire pour jusqu'au jour où on va se moquer de sa fille un essai. C'est un film aussi où les plans sont magnifiques, la mise en scène est dingue évidemment, et la ville est sublimée et extrêmement bien filmée. Ensuite, je pourrais parler de Faces, un film de Cassavetes avec Jenna Rowlands. C'est un film qui parle d'un couple qui se disloque, c'est sur l'intimité d'un couple, d'un homme qui commet l'adultère. Qui va voir une prostituée, qui laisse sa femme seule, elle qui rencontre un bel inconnu et qui fait une tentative de suicide. Et c'est un film qui se passe dans les cris, dans les larmes, dans l'alcool, qui a des gros plans magnifiques, qui a une vérité absolue. Un réalisme fou. Ensuite, je parlerai de Mustang de Deniz Kemser-Küven, qui est un film, un vrai coup de cœur, qui se passe dans la Turquie contemporaine, qui parle de jeunes filles, de jeunes femmes, de leur combat, de leur jeunesse. C'est un film à la fois très lumineux, avec une mise en scène incroyable et aussi extrêmement dur. Voilà, je trouve que c'est un film essentiel. Ensuite, pour terminer, je parlerai de Carol, de Todd Haynes, avec Cate Blanchett et Rooney Mara, un duo d'actrices incroyable, sur une histoire d'amour entre ces deux femmes. L'une est vendeuse dans un grand magasin et l'autre une cliente aisée avec un mariage malheureux. Et ça va être le combat de ces femmes, leur émancipation. Et voilà, un très grand film. Bon, ben voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et bon film.